مين الهابي انت الهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين الهابي انت الهابي ماكلني وانا عايش ببلادي On est super content de vous accueillir pour le début du projet. Ce projet, ça a une histoire. C'est la 6e édition en fait. Il y a eu plus de 600 personnes de jeunes venus de différents pays d'Europe qui ont participé à ce type de projet. Dans un premier lieu, c'est pour nous être ici aujourd'hui auprès des Palestiniens, vivre le quotidien des Palestiniens dans les injustices, dans tout ce que peut être la réalité quotidienne sous occupation, avec la colonisation, c'est être tout d'abord témoin auprès d'eux de la réalité du pays, de la réalité de ce qui se passe ici. Premier objectif, je l'ai dit, c'est de permettre à des jeunes de venir sur le terrain et de comprendre, de se faire sa propre opinion, en étant ici sur place et de dépasser les clichés médiatiques. Deuxième objectif, et qui pour nous perdure et bien sûr est très important, c'est que ce séjour doit permettre l'engagement de tous et de toutes, un engagement citoyen d'une génération qui n'a pas envie de baisser les bras, qui n'a pas envie de laisser faire. Je m'appelle Nassim, j'ai 23 ans, je suis étudiant en sociologie, en histoire. Je m'appelle Mérina, j'ai 23 ans, je viens de terminer mes études donc en sciences politiques et en arabe. Je suis étudiante en sciences sociales pour devenir assistante sociale. Ok, moi je m'appelle Dawn, j'ai 26 ans, je suis ingénieur du son et voilà. Dounia, GP Lille, boycott. Le but c'est de se faire une vraie idée, de rapporter en France ce qui se passe ici et de continuer à militer pour la paix en fait, tout simplement sans parler d'opposition, de religion, de race ou de n'importe quoi. C'est vrai, de militer pour la paix, il y a des résolutions qui ont été prises, il faut qu'elles soient appliquées, c'est tout. Une expérience enrichissante et pour pouvoir voir la situation sur place, parce que c'est vrai que on peut entendre des milliers d'opinions, des milliers de témoignages, mais ce ne sera jamais la même chose que si on vient sur place, tout en sachant qu'une fois ne suffira pas pour se faire un avis sur la question. C'est un peu une famille militante et en même temps c'est une occasion unique avec des partenaires sérieux, des gens qui ont l'habitude, qui connaissent le terrain. Je trouvais que c'était vraiment une occasion à pas rater. Moi franchement je suis venu, je pense contrairement aux autres, je ne suis pas trop militant, je suis juste curieux, je suis juste intrigué. Et j'entendais parler d'un conflit que je connaissais vaguement. Chacun sa part, les amis. Mais j'étais pas vraiment investi dedans, donc je voulais vraiment rentrer dedans par le biais d'une copine qui bossait là-dedans et voir vraiment ce qui se passait. Rencontrer des gens d'un peu partout et me forger ma propre opinion. M'enrichir, connaître la culture et importer un maximum pour pouvoir le ramener en France, pour pouvoir donner de plus belles BDS et les actions en général. Et tout. Véhiculer ce message et en rentrant chez nous, pouvoir témoigner, le transmettre aux amis, à la famille et au plus grand nombre possible, c'est aussi cet acte de témoignage important et essentiel dans ce que pourrait être notre solidarité auprès des Palestiniens. C'est-à-dire que pour nous, la solidarité internationale, c'est pas juste faire preuve d'une certaine compassion vis-à-vis des Palestiniens. Pour nous, la solidarité internationale, c'est dire que les victoires pour les Palestiniens, ce sera des victoires pour nous. Que les défaites pour les Palestiniens, c'est-à-dire la non-reconnaissance de leurs droits et leur non-application, c'est des défaites pour l'ensemble de la planète et c'est des victoires pour les racistes. Il y a des choses qui sont possibles, il faut s'organiser, ça demande de l'énergie, ça demande de l'imagination, ça demande de l'organisation, mais il y a des choses qui sont possibles et agir au-delà d'ici, c'est aussi agir au retour dans nos pays pour convaincre et pour peser. Et voilà, merci à vous d'être venus jusqu'en Palestine.